Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apollo Justice Trilogy. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre affaire, quatrième affaire et je crois dernière affaire de ce premier jeu. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le premier jeu, il y a quatre affaires à l'intérieur. Et donc, c'est la dernière. Cette affaire, elle est très intrigante puisque nous avions eu dans le précédent épisode que derrière les tableaux, il y avait des images, des esquisses, des ébauches de tableaux qui représentaient les trois premières affaires. Et donc, quelles sont les connexions, quels sont les liens entre Apollo Justice, tout simplement, et comment il s'appelle, Morin, là, le peintre. On va essayer de voir ça dans cette affaire-là. Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. J'ai quelques indices dans ma tête qui ressurgissent de l'époque où j'avais vu un let's play sur le jeu. Mais vraiment, des trucs minimes. Pas du tout sur le global du jeu et du coup c'est plutôt bien parce que je suis très intrigué et j'ai très hâte de savoir s'il se passe. Donc pour le coup, on va continuer ce procès qui avait commencé en toute fin d'épisode précédent. Let's go. La dose mortelle de cette substance de synthèse n'est que de 0,002 mg. L'ingestion de cette dose infime d'atroquinine suffit pour faire de vous la victime de la faucheuse. C'est Barok Van Zyk qui serait content. Bien, procureur Gavin, je vous prie maintenant de présenter votre témoin. J'ai convoqué un homme simple pour une affaire simple. Un homme simple pour une affaire simple, eh bien. Ça, j'aurais pas mieux dit pour présenter Toral, je crois. Cet homme, comme vous l'entendrez, a tout vu. C'est le journaliste, j'en suis sûr. Torial, pardon. Pas Toral. Témoin, déclinez votre nom et votre profession, je vous prie. Ok. Moi c'est Éditorial. Je suis un simple observateur de notre monde. On va lui faire cette voix. Autrement dit, vous êtes journaliste indépendant, c'est bien ça? Si vous me le permettez, j'aimerais clarifier une petite chose. De quoi s'agit-il, monsieur Torial? J'aborde les conclusions en particulier quand on en tire des conclusions. Ah, d'accord. Les préjugés sont le fléau de notre monde, fin de citation. Mais vous êtes bien journaliste. Vous l'avez dit vous-même, hier. Eh bien oui, certes. Mais comprenez que je me présente devant vous, poussé par un rêve. Je vous propose de témoigner en échange d'une exclusivité absolue sur cette affaire. Torial triomphe dans l'affaire Monin. Fin de citation. Commençons par votre témoignage, si vous le voulez bien. Une affaire simple, hein. Gavin, à mon avis, le jury n'a pas fini de délibérer. Déposition du témoin. La version du journaliste. Je me suis rendu au studio aux alentours de 21h pour faire mon interview. Le premier journaliste à voir son studio, à un moment historique. Fin de citation. Et sa fille nous a apporté du café au tout début de l'interview. Et vous connaissez la suite. Une étoile s'éteint. Fin de citation. Les touches, il nous sort quand même. Personne d'autre n'est rentré dans le studio pendant l'interview. Personne d'autre. Il y a un gros témoignage qui me gêne, là. L'affaire paraît limpide, en effet. Enfin, sauf si vous l'avez empoisonné vous-même. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le juge? N'oubliez pas que les caméras nous filment aujourd'hui. J'ai pensé qu'une pointe de tragique pimenterait l'enregistrement. Vous ne l'avez pas tué quand même. Moi faire un truc pareil? Allons donc, ce serait comme un journaliste à la une du journal, fin de citation. Ou même une chasse aux sorcières des temps modernes, fin de citation. J'y suis, et des accusations rocambolesques bouleversent l'audience, fin de citation. Ha 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 ha. En effet, on rigole très très fort, Conrad. On dirait que le procureur Gavin s'amuse bien. Ouais, j'en ai profité un peu. Je suis content pour lui. Mais quoi qu'il en soit, monsieur Justice, procédez à votre contre-interrogatoire. Et s'il vous plaît? Contre-interrogatoire. La version du journaliste. Je me suis rendu au studio aux alentours de 21h pour faire mon interview. Je vais pas faire la voix à chaque fois, puisque là, on l'a déjà lu. Ah mais je peux pas enlever le truc en haut là, moi je veux voir la gueule complète. Bon, le premier journaliste à voir son studio. Un moment historique, fin de citation. Mais il faut que je le bouscule en fait. Donc on va faire un instant. 21h, c'est un peu tard pour une interview, non? Si le grand peintre Joseph Monin vous dit soyez là à 21h, eh bien vous allez à 21h. On va sauvegarder tout de même. Bam bam bam, bam bam bam, bam bam.
Croyez-moi, vous y êtes à 21h. Non, ça c'est parfait pour la miniature. Franchement, là c'est parfait. Ça le met bien en valeur comme il faut. La première est comme, et contre toute attente, dernière interview de ce peintre prolifique. Je vois. Vous pouvez nous décrire votre arrivée? Et du coup, tu ne peux pas nous dire ce que tu as eu dans ton interview. Par exemple, le premier journaliste à voir son studio, un moment historique, fin de citation. Même vous étiez le premier reporter à être admis au studio Joseph. La postérité se souviendra de cette soirée comme d'un moment clé du journalisme mondial. Un pas relativement insignifiant, mais là il faut que je fasse l'accent forcément, c'est ses premières paroles, zut. Un pas relativement insignifiant pour l'humanité, mais un grand pas pour ce brave Torial, fin de citation. Si personne n'entre jamais dans le studio, le coup a dû être réalisé par quelqu'un de proche. Par Vera, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle il veut nous amener. Et alors, comment s'est passé cet entretien mémorable? Mais sa fille nous a apporté du café au tout début de l'interview. Un instant. Vous pourriez être un peu plus précis? Oh, ben disons que j'apprécie une bonne tasse de kawa. En fait, je crois que ça a commencé quand j'étais en 6e, peut-être en 5e. C'est pas ce que je voulais dire. Je crois savoir où va en venir Monsieur Grand Front, ce café servi à la victime. Mais quelqu'un l'a-t-il touché à part l'accusé? C'est ça, évidemment, c'est ce que j'allais dire, sérieux. Dites donc, là, si vous avez une question à poser, posez-la direct. C'est ce que je dis à toutes les nouvelles recrues, et plusieurs fois s'il le faut. Écris comme si tu... T'as adressé à des gamins, c'est ma devise. Ce qui veut pas dire que j'écrive des trucs de gosse, hein. Faut pas confondre. Mais qui a touché au café, nom de Dieu? Mais je sais pas. Je sais pas, Torial. J'étais au fond en train de voir l'équipement du studio quand elle nous a servi. Et après, que s'est-il passé? Ta-da. Ta-da-da, et vous connaissez la suite, une étoile s'éteint, fin de citation. Un instant. Mais c'est quoi ce truc à propos de l'extinction d'une étoile? Une étoile s'éteint, c'est comme un vieux télégramme. J'ai pris l'accent alors que c'était pas lui. RIP. Envoyez argent, stop. Non, l'un dictaphone, vous n'êtes pas au courant, c'est comme qui dirait le code du métier. Un personnage important passe l'arme à gauche, une étoile s'éteint, vous pigez? Oui, comme au cinéma, quand la séance est terminée, et que l'écran s'éteint. En quoi ça nous intéresse? Hé les mecs, c'est bon ça, très bon. Que dites-vous de une étoile explose? Non, ça manque de punch. Je sais, j'ai trouvé. Une étoile meurt? Non, ça manque d'imagination. Évidemment, on pourrait mettre Joseph nous quitte, direct, droit au but. Ça le fait bien. Je crois que nous avons besoin d'informations plus conséquentes. Le monde de la mort, le café de Torial, le café de l'étoile. Le café de Torial, le café de Torial, le moment de la mort, les deux en réalité. En vrai, les deux, hein. Mais dans son café, il y avait forcément rien, puisque... il n'y a pas de tasse sur son... Donc, le moment de la mort, plutôt. Au moment où Monsieur Monin est mort. Vois, mon vieux, il fallait le voir pour le croire. Il a brutalement posé sa tasse de café. Vous me suivez? D'accord, et ensuite... Puis, la main froide de la mort lui a frôlé l'échine. La flamme de la vie a vacillé. À son contact glacé, il n'a pas pu... Il n'a pu que trembler convulsivement. À la réflexion, la flamme de la vie, c'est un peu usé comme formule. La rivière de la vie s'est figée à jamais. Ouais, c'est bon ça. Bon, je vais arrêter l'accent parce qu'il va me saouler. Là, il est en train de nous écrire son article. Déjà qu'il me saoule déjà. Pourriez-vous décrire ça un peu plus simplement? Il y a eu deux fois déjà dans la phrase, certes. Ben, comme vous l'imaginez, ça m'a un peu surpris. Il s'est effondré. Comme on dit, le rideau tombe sur l'artiste. Fin de citation. La trochinine paralyse le système nerveux central. Le dos part en arrière, comme un arc. Les membres tremblent. Bon, assez de ces explications imaginées. Non, imagées. La gorge brûle. Je voulais la suite, moi. J'ai l'intention de dormir cette nuit. Ah ouais? Ben moi, je veux des détails. Plein de détails et très croustillants. Vous en trouverez une pelletée dans notre hit de l'année dernière. Atrokini de mon amour, des Gay Winners. En vente dans tous les bons magasins de musique. Il fait sa pub parce que c'est filmé en plus, je suis sûr. Bref, la victime est morte après avoir ingéré de l'atroquinine. Monsieur Justice, que pensez-vous de ce témoignage? Est-ce que c'est important qu'elle est morte après qu'elle a ingéré de l'atroquinine? Des traces d'atroquinine, un poison lent, ont été trouvées sur le bord de la tasse. Un poison lent, pourtant la tasse est pleine. Comment cela se fait-il qu'il est mort alors qu'il n'a pas bu de café? Ou très peu? Je sais pas si c'est très important... En vrai, je sais pas si c'est important. Ta-da, ta-da-da, ta-da-da. Non, je veux dire que c'est pas très important. L'heure de la mort de Monsieur Monin n'est pas sans importance. Mais au final, il ne nous a rien appris de nouveau.
Veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. L'heure de la mort, personne d'autre n'est entré dans le studio pendant l'interview. Ah merde, attendez, mais j'ai passé là aussi. Un instant. En êtes-vous bien sûr ? Sûr ? Bien sûr que j'en suis sûr. Le studio Joseph n'est pas bien grand, mon bonhomme. Mais j'aurais remarqué si quelqu'un d'autre était entré dans la pièce. Et si cette personne était cachée à l'intérieur avant votre arrivée ? Objection ! Même si quelqu'un s'était caché dans le studio, il aurait eu du mal à empoisonner la tasse sans se faire voir. Et vous croyez que moi, éditorial, j'aurais raté un truc pareil ? Jamais ! Il a le chic pour donner du piment à cette histoire. Enfin, c'est son boulot qui veut ça. Un seul moment mérite qu'on se penche dessus d'un peu plus près. Le moment précis du décès de Joseph Monin ? Exactement. Nous sommes forcément passés à côté de quelque chose. Bon, ben en fait, le témoignage était important alors. Sa fille a apporté du café, et vous connaissez la suite, une étoile s'éteint, fin de citation. Un instant, blablabla. C'est quoi ce truc ? Blablabla, blablabla, blablabla. En quoi ça nous intéresse ? Tu sais, j'ai trouvé... Bon, a priori, ça le fait bien. Je pense que le café de Torial, on s'en fout. Non, mais c'est le moment de la mort, hein. Ouais, mon vieux, il fallait brutalement poser sa tasse de café, vous me suivez? Ah bah oui, d'accord, bah ok, si, si. Brutalement, c'est pas possible, puisque c'est un poison lent. Il s'est effondré. Ok, ok. Alors, du coup, c'est bizarre. C'est étrange. Effectivement, c'est très important. J'ai foiré. Eh bien, il est très important puisqu'il atteste de l'heure de la mort de la victime. Je vous prie de l'ajouter à la déposition. La cour demande au témoin d'ajouter cette déclaration à sa déposition. Effectivement, j'avais pas tilté qu'il avait dit ça. C'est spasme, ça ne pouvait être qu'un poison mortel. Un instant. D'après vous, ça ne pouvait être qu'un poison mortel. Comment en êtes-vous si sûr ? Eh, écoutez, je suis journaliste. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et je les connais, moi, ces prétendus empoisonnements. Un homme avale un steak avarié et tire sa révérence. Fin de citation. C'est une intoxication alimentaire, ça compte pas. Dois-je lui demander de parler d'autre chose ? Contentons-nous de ce que nous avons pour l'instant. Je vais parler d'autre chose. Personne d'autre n'entrait cet espace, ça ne pouvait être qu'un poison mortel. On va sauvegarder. Dans le doute où je fais de la merde. Parce que c'est possible. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut que je lui présente le café, moi. Objection. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que je me disais que c'était un poison lent, donc c'est pas cohérent avec les spasmes directs. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça ? Poisonné à la trochinine. Non, hein. Non, bah du coup, on va lui demander autre chose. On va faire les deux autres. Écoutez, je suis journaliste, blablabla, blablabla, blablabla. Le café de l'étoile. Parce que le café de Torial, on s'en fout, on va voir le café de l'étoile. Vous dites que Monsieur Monin a aussi bu du café, mais l'avez-vous vraiment vu boire ce café ? Bien sûr, c'est bien de le voir, mais encore mieux de le dire. Fin de citation. Je vis dans un monde où l'on observe et rapporte sans sourciller. Et pourtant, je suppose que je ne l'ai pas vu boire, pas vraiment. Il a pris une gorgée. Mais c'est tout. L'homme porte la tasse à ses lèvres et boit. Fin de citation. On m'a dit que ce poison était particulièrement virulent. Mon estomac a fait une espèce de soubresaut. Ben non, il n'est pas virulent, si. Parce que j'avais avalé le café sans même y jeter un œil. Attendez, on tient peut-être quelque chose, là. Une espèce de tour. Est-ce que quelqu'un veut émettre une théorie ? Comme ça, au pif. C'est possible de le mettre sur pause. Eh bien, monsieur Justice, ce témoignage vous paraît-il important ? On va dire très important. La victime a bu son café, puis elle est immédiatement tombée à la renverse. Oh oui, oui, vous pouvez l'imprimer. L'info est vérifiée. Votre honneur, c'est une information vitale. Je vous prie de l'ajouter à la déposition. Oui, ça m'intéresse plus déjà. Dans ce café, vital absolument. Il a pris une gorgée, tout au plus. Une seconde plus tard, il s'est écroulé par terre. Ok, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je cherche. C'est l'info que je voulais qu'il dise tout à l'heure par rapport à la mort de Monin. Donc là, je lui présente, et là, je lui présente la tasse cette fois. Parce que c'est un poison lent. Objection. Le problème est le suivant. Une propriété précise du poison utilisé, la trochinine.
Oh, le procureur Gavin était plutôt clair à propos du poison. Une dose mortelle de 0,002 mg paralyse le système nerveux central. Même vous, si vous le buviez, seriez réduit à l'état de vieille épave tremblante. Pourquoi est-ce que vous me prenez comme exemple? Malheureusement, on ne nous a pas tout dit. Le procureur Gavin a omis un détail vital. Six petits points. Un détail vital, l'atroquinine est un poison aussi violent qu'il le dit, mais la mort n'intervient pas au moment de l'ingestion. Pas immédiatement. Parce que l'atroquinine est un poison à action retardée. À action retardée? Mais quoi? D'après une certaine experte médico-légale. Un poison d'une violence rare mais absorbé très lentement par le système. Cela prend au moins 15 minutes après ingestion pour qu'il commence à faire effet. En prenant cette gorgée de café, il a scellé son destin, aucun doute là-dessus. Mais il aurait tout de même eu le temps de savourer sa dernière tasse de café. Ah ouais, mais il est vraiment n'importe quoi, le corps de Torial, là. Silence, silence, qu'est-ce que ça veut dire? Si la défense voit juste, le témoignage que nous venons d'entendre est complètement renversé. Eh bien, monsieur Torial, vous n'avez rien à déclarer. Pour la postérité. Action retardée. ACTI, c'était virulent, ça c'est sûr. Le procès à peine entamé, il avait déjà planté ses griffes dans l'innocent journaliste. Il prépare son scoop. Soupir, objection! Mais c'est bien Torial, non? Monsieur Torial, revenons au fait de ce jour-là, si vous le voulez bien. Hein? La victime est-elle vraiment morte tout de suite après avoir goûté le café? Réfléchissez bien, c'est d'une importance capitale. Mais viens de le dire, tu peux pas lui dire de changer son témoignage comme ça. Vous savez ce que je crois? Que ça c'est encore mieux pour la miniature. Je crois que c'était... une suggestion pas si subliminale que ça. Fin de citation. J'avoue que s'il est mort, quand vous le dites, nous avons un problème. Un problème qui m'obligerait à dire au revoir à la simplicité de mon affaire. Et vous, adieu à votre article. Mais redites-moi ça, et vous n'allez pas écrire un article sur des conjectures, non? Mais tu l'influences clairement, là, Conrad, t'as pas le droit de faire ça. Et si l'affaire dure, d'autres reporters vont s'y intéresser. Et vous serez obligé de dire adieu à votre merveilleuse scoop. Alors mentez un petit peu pour arranger tout le monde. Scoop. Attendez, pas si vite. Attendez une seconde. Nous attendons, mais allez, parlez. Je crois que je viens de me rappeler une espèce de détail important. Oui, bien sûr. La résurrection des souvenirs, la survie d'une histoire, fin de citation. Avocat complètement largué, fin de citation. En fait, j'ai bien remarqué quelque chose quand je suis allé au studio. J'avais entendu parler de poisons qui agissent à retardement, vous voyez. Bien sûr, Torial, bien sûr. Mais pas ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis quelques minutes, visiblement. Lol. Monsieur Torial, vous avez vu quelque chose qui explique ce qui s'est passé? Même Conrad, il se rend compte que c'est un teubé, hein. Je veux, mon neveu, l'antidote à la contradiction empoisonnée. Fin de citation. Où j'ai toujours aucune idée de ce dont vous voulez parler. Fin de citation. Tu vas pas t'y mettre, Apollo, s'il te plaît. Je ne l'ai compris qu'après une interview approfondie. Vous voyez, grâce à mon talent de journaliste, je sais qui a empoisonné le café. Foutez-lui trop baffe. Silence. Autant que je puisse en juger, le témoin reste fidèle à sa déposition. Monsieur Monin est mort tout de suite après avoir bu. Oui, Conrad, heureusement, parce que sinon c'était une sacrée influence de témoin là. Bien sûr que je reste fidèle à ma déposition. Et à mon rêve d'obtenir l'exclusivité de ce fait divers. Ah, j'aurais dû m'en douter. Mais quoi donc? Lui, choisir une affaire simple, aucune chance. Lui, bah oui, Phoenix Wright, évidemment. Oh là là, mais... c'est mot pour mot ce que j'ai dit. Yes. Point d'exclamation. Allez, monsieur Torial, dites-nous tout, je vous prie. Mais du coup, Conrad, tu es au courant, tu connais Phoenix Wright. C'est toi qui lui a fait perdre son affaire, non? Il y a 7 ans, c'est pas ça? Je crois que c'est ça. Je crois me souvenir que c'est ce qu'on nous a dit à un moment donné. Qu'avez-vous remarqué? 6 petits points. Cette cour est une mise à l'épreuve critique du système de jury. Le doute n'est pas une option aujourd'hui. Je vous enjoins de témoigner sur ce que vous avez remarqué, mais je crois que le doute n'est jamais une option. Déposition du témoin, le retour. Ce qu'a remarqué Torial. Quand je suis arrivé au studio, Monsieur Monin était à son bureau. On aurait dit qu'il écrivait une lettre, mais il a vite cacheté l'enveloppe. Sur le coup, je n'ai pas fait attention, évidemment. Mais quand on y pense, ça aurait pu être une lettre de suicide. Une lettre de suicide? Oui, il avait cette expression sur le visage. Un visage aussi impénétrable qu'une équation quantique. Fin de citation. Un suicide? Mais pauvre monsieur Monin. Mais alors, ça veut dire que Vera est innocente. Qui essaierait de se suicider comme ça, au beau milieu d'une interview? Ah,
Très bien, procédez à votre contre-interrogatoire. Mais on a le contenu de la lettre, non? Oui, c'est ça. C'est pas une lettre de suicide, hein. Non, on en est loin de la lettre de suicide, là. Hein. Plutôt une lettre de menace. Hein. Ou de travail, je sais pas. Enfin, pour un faussaire, hein, je parle. Y avait-il quelqu'un d'autre au studio à part Monsieur Monin? Eh bien, sa fille, Vera, évidemment. Y avait-il quelqu'un à part Vera et Monsieur Monin? Personne, pas un chat, pas un rat, pas même une souris. La seule personne qui n'était pas du studio, c'était vous, n'est-ce pas, Monsieur Torial? Ah ah, je connais cette tactique, je connais votre manège. L'avocat use d'une technique classique de manipulation. Fin de citation. T'as pas vu ça pour le procureur par contre. Si vous insinuez que ce reporter devrait être entendu comme suspect, je ne doute pas que vous allez présenter les pièces à conviction pour le prouver. En attendant, poursuivons si vous le voulez bien. On aurait dit qu'il écrivait une lettre, mais il a vite cacheté l'enveloppe. Donc il a rangé la lettre en vous voyant. Un reporter en avance récolte plus d'infos. Fin de citation. C'est mon secret. Je ne suis pas sûr de vous suivre. C'est le soir de l'interview. J'arrive au rendez-vous avec un quart d'heure d'avance. La poignée tourne, la porte s'ouvre et je déboule. Vous êtes sûr que ça se fait, ce genre de choses? Je veux dire, c'est pas illégal. Monsieur Monin avait certainement l'air contrarié. Vous auriez dû voir sa tête. Il a fourré sa lettre dans l'enveloppe jaune aussi vite que possible. Dans l'enveloppe jaune? Ça, y a pas d'enveloppe jaune. Hein. Je sais reconnaître un secret quand j'en vois un. Ceci m'a tout l'air important. Eh bien, Monsieur Justice, je me demande. Ça m'a l'air d'être un truc important. Oui, 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 on va ajouter ça au témoignage de défense. Considère que cette déposition est vitale, votre honneur. Dans ce cas, veuillez l'ajouter à la déposition. Et pourquoi pas? Mon récit est gratuit. C'était une enveloppe jaune. Il paraît qu'elle est restée sur la scène du crime. La gueule de l'enveloppe jaune, hein. La contradiction aurait pu être un peu plus simple. Une enveloppe pas rouge. Objection. Objection. Justement, il n'y avait qu'une seule lettre dans le tiroir du bureau. Dans une enveloppe rouge. Tu vois? Ah oui, alors celle-là, c'est encore mieux. Procureur Gavin. Oui. A-t-on trouvé une enveloppe jaune sur le lieu du crime? Malheureusement, non. Mais dites-moi, cher monsieur Grandfront, ne peut-on pas facilement se tromper sur la couleur d'une enveloppe? C'est difficile tout de même. Je suppose, mais pas cette enveloppe. Vous voyez, elle a déjà été cachetée il y a 7 ans. Eh bien, monsieur Torial, je peux tout expliquer. Vous voyez, monsieur Monin voulait mettre la lettre dans une enveloppe vite fait, lotée de ma vue, vous voyez. Alors il a chopé la première enveloppe qui lui tombait de sous la main et l'a mise dedans. Donc vous avez simplement cru que cette enveloppe rouge était jaune. Monsieur Justice, que dites-vous de ce que nous propose le témoin? Ce soir-là, la victime a placé la lettre qu'il écrivait dans une enveloppe rouge. Mais c'est impossible puisqu'elle est cachetée depuis 7 ans. Mais c'est impossible. Ah, j'aime votre expression, c'est pleine d'assurance. Mais c'est très simple. Il se trouve que la défense a enquêté sur le contenu de cette enveloppe, avec l'aide d'une certaine experte médico-légale. Quoi? Notez que cette enveloppe est adressée à Joseph Monin. Oh! Pourquoi s'enverrait-il une lettre à lui-même? Et qui plus est, une lettre de suicide. Vous m'avez eu. Eh oui. Une lettre de suicide à soi-même, c'est très con. Silence, silence, silence. Monsieur Torial, pourriez-vous expliquer ce point à la cour? Oh là 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 là, comment ai-je pu oublier? Le reporter a la mémoire qui flanche. Fin de citation. Ça doit être l'âge. J'attends votre explication, monsieur Torial. Mais c'est bien ça le problème. Après qu'il a mis sa lettre dans cette enveloppe, monsieur Monin s'est assis et s'est mis à fouiller le tiroir de son bureau. Le tiroir de son bureau? Oui, il cherchait un timbre. Un timbre poste. Fin de citation. Un timbre? Mais que comptait-il en faire? Eh bien, poster sa lettre, quoi d'autre? Et puis ensuite, oui, je crois que je l'ai vu la mettre dans sa boîte aux lettres. Ah bah donc c'est bien, c'est donc peut-être une lettre jaune. Oui, c'était une enveloppe jaune et il l'a placée dans cette boîte. Ah oui, donc ce n'est pas celle-là. Donc elle est déjà partie. Visiblement, cette lettre jaune n'a rien à voir avec l'affaire. Oh, comme j'aimerais que ça ne soit pas le cas. Bon, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Je pense que c'est le moment de vous le dire. À l'époque, je vous avais dit que j'avais un truc par rapport à ce cadre bleu. Je vais vous faire part de ma théorie. Enfin, de la théorie, je sais que c'est ça en réalité. Dans ce cadre, il y avait un timbre. Voilà. Mais du coup, il a utilisé le timbre, il l'a léché, et c'est comme ça qu'il est mort. Maintenant, la question, c'est, je ne sais plus pourquoi il a ce timbre-là, pourquoi il y a du poison dessous, pourquoi il fait ça, plus blablabla. Voilà, mais je sais que c'est ça. Enfin, je crois. Je suis à 98% sûr que c'est ça. Il a pris le timbre qu'il y avait là-dedans, il l'a léché, il en est mort.
Mais du coup, le coup de la lettre jaune, c'est pas aberrant. Imaginez s'il y avait eu une lettre de suicide. Quelle histoire! L'étoile rédige une lettre de suicide devant le reporter et s'éteint. Fin de citation. Comme je vous le disais, ceci n'a rien à voir avec notre affaire. Cela étant, oui, votre honneur. Je me pose toujours autant de questions sur le contenu de cette lettre rouge. Monsieur Joseph Monin, j'ai fait virer 100 000 euros sur le compte indiqué, envoyé un reçu une fois le transfert confirmé. Signer les papiers à envoyer dans l'enveloppe 6 jointe avec le timbre 6 juin sous 3 jours, et bien entendu, n'en parler à personne. 100 000 euros, c'est une somme rondelette. Mais ça, il a voulu payer ses dettes avec le timbre 6 juin, et il en est mort. Donc celui qui a envoyé la lettre rouge, c'est le tueur. Il y a 7 ans. Ça y est, c'est ma fin, je veux dire la fin ici, pour moi. J'ai envie de, vous savez, rentrer chez moi, de me mettre à écrire. Il y a 7 ans, ça coïncide étrangement avec l'affaire de Phoenix Wright tout de même. Hein. Je suis désolé de mettre l'accent sur ce qui paraît évident, mais quand vous flairez l'odeur d'un article juteux, vous faites une drôle de tête. Ah, allons, l'avocat n'a rien de plus qu'une imagination débordante, fin de citation. Même moi, j'ai remarqué quelque chose et mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je commence à comprendre ce qu'est la perspicacité. Le juge a une imagination débordante. Mais poursuivez votre témoignage. Parlons-nous de l'odeur d'un article. Eh mais c'est moi qui pose les questions, enfin d'habitude. Voilà, on a notre vignette. C'est la troisième et celle-là c'est la bonne. Déposition du témoin. L'odeur d'un article. En fait, j'ai pas mal galéré pour avoir l'interview. Le reporter déterre une histoire pour obtenir son interview. Fin de citation. L'histoire portée sur une certaine affaire qui s'est déroulée il y a 7 ans. La fameuse. Cette enveloppe rouge a sans doute un rapport avec l'affaire en question. On dira ce qu'on voudra, le talent de Joseph était sans équivalent. Donc vous avez menacé de publier l'histoire en question. Vous avez eu recours au chantage pour obtenir votre entretien? Eh bien, oui. Je veux dire non. Non, non, non. Ce n'était pas exactement... Je veux dire que je ne suis pas argue. Quelque chose ne va pas, monsieur Torial. Écoutez, c'est mon article, mon bébé. L'information, c'est ma vie. Fin de citation. Je vois. Pendant que vous me faites la conversation ici, qu'est-ce qui se passe dehors? Imaginez que d'autres reporters y vendent mon article. Ils pourraient passer à l'impression au moment même où nous parlons. La cour partage votre douleur. Monsieur Torial, monsieur Justice, accélérons, je vous prie. Une certaine affaire il y a 7 ans. 7 ans. Celle de Phoenix Wright, par exemple. Contre-interrogatoire. C'est très louche tout ce qu'il se passe. Ah, en fait, j'ai pas mal galéré pour avoir l'interview. On va pouvoir utiliser notre petit bracelet. Et ça, c'est pas rien. La victime, Joseph Monin, avait les reporters en horreur. J'imagine, même mon charme légendaire n'a jamais eu d'effet sur lui. Enfin, jusqu'à ce que j'ai le feu vert. Mais vous pourriez peut-être nous donner quelques précisions. Le reporter déterre une histoire pour obtenir son interview, fin de citation. Mais laquelle donc? De quelle sorte d'histoire s'agissait-il au juste? Oh, trois fois rien, je vous l'ai déjà dit. Rien de plus, rien de moins, rien entre les deux. Fin de citation. J'ai peut-être insinué que je savais certaines choses sur une certaine histoire. Mais je ne l'ai ni menacé, ni entourloupé, ni rien. Je le jure, bien sûr. Comme ça, un simple sous-entendu a suffi à lui garantir une interview. Monsieur Monin tenait visiblement à ne pas ébruiter l'affaire. L'histoire portait sur une certaine affaire qui s'est déroulée il y a 7 ans. Un instant. Une certaine affaire il y a 7 ans? Dites-nous, de quelle affaire s'agissait-il? Là, 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 là. Laissez-moi clarifier une petite chose, monsieur l'avocat, et vous pouvez même me citer. Je ne peux pas parler de cette affaire. Pourquoi pas? Mais c'est une question de fierté journalistique, de loyauté, de crédibilité, de connexion. Le journaliste préfère mourir que de révéler ses sources. Fin de citation. Mais tu es à la barre, là. Alors qu'est-ce que vous allez faire? M'étrangler? Les cadavres ne parlent pas? Il a l'air déterminé à ne rien dire. J'ai l'impression que nos chances de le faire parler sont maigres. Cette enveloppe rouge a sans doute un rapport avec l'affaire en question. Bigre, va falloir qu'on l'attaque. Hein. D'un côté, nous avons votre histoire et de l'autre, cette lettre. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que les deux sont liés? Oh!
Ah, je disais juste que c'est possible. Appelez ça de l'intuition de reporter, fin de citation. Et je dis des tas de trucs. Vous voulez vous amuser à tout disséquer? Allez-y. Tout? Non, juste ce qui me paraît suspect. Je vois, vous avez autre chose à ajouter à propos de ce monsieur Monin. On dira ce qu'on voudra, le talent de Joseph était sans équivalent. Un instant. Par rapport à la faussaire. Hein. Quelle était l'ampleur du talent de monsieur Monin? Hein? Oh, ouah, mon vieux, je veux dire, il était célèbre, vieux, célèbre. La trace de son pinceau était comme une longue rivière ondulante sur la toile. L'étoile de l'artiste illumine, le studio comme un soleil, fin de citation. Ce type fait tout le temps des gestes fous. Mais celui-là était encore plus fou que d'habitude. Moi, je trouve qu'il a l'air nerveux, Apollo. Absolument. Mais son comportement n'est plus le même. Il est peut-être temps d'aborder vous savez quoi. Cette déposition me laisse comme un goût amer dans la bouche. Tout paraît logique. Rien ne semble particulièrement incongru, à part tout. Je me demande bien de quelle affaire il parle. Ça devrait être un gros coup de décrocher une interview avec un reclus aussi célèbre. Quelque chose d'assez important pour sortir Joseph Monin de son cloître. Je me demande. Peut-être que ça avait quelque chose à voir avec l'art de Monsieur Monin. Peut-être. Mais en tout cas, nous verrons cela dans le prochain épisode d'Apollo Justice. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.